Donc cette première édition a été un réel succès. Bravo Tocca. Sur les objets connectés et les systèmes connectés en B2B, donc pour le monde professionnel. Et là, actuellement, on est en train de travailler sur un système de surveillance des céréales qui sont stockées dans les silos à plat. Alors c'est très précis, c'est un sujet qui concerne principalement les gens qui font du stockage et du commerce autour des céréales. Donc les silos à plat se trouvent beaucoup au niveau des ports de commerce. Et c'est là-dessus qu'on travaille. C'est-à-dire qu'on est sur un prototype et l'objectif c'est de pouvoir se développer le plus rapidement possible en ayant justement le système qui convient pour le marché. Donc ce prix va nous permettre d'aller plus loin sur le prototypage et d'aller plus rapidement. Et ensuite de pouvoir faire un déploiement commercial dans un premier temps en France pour tester notre solution et assez rapidement sur l'export, puisque c'est l'objectif. Ce qui fait qu'on a gagné le prix, c'est qu'on a une vision très partenariale de l'entreprise. Notre approche, elle est vraiment centrée sur la coopération inter-entreprise et inter-spécialiste.